Donc là, effectivement, je veux dire toute l'équipe de gestion du centre commercial et la direction générale, qui est internationale, nous, au niveau du centre, était tout à fait prenante et partant pour promotionner, je veux dire, le projet. Pas seulement pour Liège, mais c'est une vitrine, comme on le disait, tout à fait belge et à tous les niveaux. Donc c'est fort intéressant, c'est un élément fédérateur pour les unités et les entités officielles, privées. Et vu que nous sommes privés, ben on en profite pour essayer de soutenir un maximum de projets et de rassembler le maximum de signatures par la fréquentation du centre commercial, avec tout ce qui est signalétique, surtout la maquette qui est très bien faite, qui permet quand même de pouvoir visualiser ce que le projet pourrait être, où va être, parce qu'on va être sélectionné, il faut positif, on va l'être. Oui, oui. Il faut avoir le projet ici à Liège, hein, c'est très important, on attend 6 millions de visiteurs, c'est un boost, comme vous dites, pas juste pour Liège, mais voilà, toute la région, une vitrine pour la Belgique. La Belgique représenterait l'Europe, par l'Europe, donc représenterait notamment d'autres continents qui sont autant concernés par une exposition internationale. Oui. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt des retombées indirectes, je crois que des projets comme ça. C'est vrai qu'il y a la première phase qui va faire venir énormément de personnes, mais dans un deuxième temps, je crois qu'il y a la vitrine, les gens vont se dire qu'il y a une très dynamique. Je crois que c'est une preuve de dynamisme de la ville, ce qu'on n'a pas toujours par rapport à d'autres villes ou par rapport à d'autres entités. C'est vrai qu'ici, on voit que Liège veut bouger, il bouge, déjà par tous les plans d'aménagement. Parce que quand on voit ici ce que tout le quartier nord, droite, c'est cette cité donné, c'est quand même des investissements importants. Oui, et puis c'est vraiment une coopération officielle, les autorités et le privé, et ça c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on peut le faire, pas tous les jours qu'on peut aider aussi et promotionner, donc dès que c'est possible, je veux dire, Belle-Île est toujours preneur de toute façon de ce type d'événement, d'activité, donc on rassemble, on essaie de ramener le plus possible de visiteurs et de signatures. D'ailleurs je vais en profiter pour signer, puisque je vous invite à le faire, c'est même propre public pour ça. Comme ça, parce que là il nous faut au moins 100 000 signatures, c'est ça? Le plus possible. On est déjà à 50 000. Oui, donc là, c'est quand même un fameux résultat. Et ça ne fait que commencer.